Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir, Sahaf Turk. Nous avons pu suivre hier le duel Marine Le Pen-Emmanuel Macron, ces deux finalistes des présidentielles françaises qui doivent se tenir le 24 avril. Ce débat de l'entre-deux tours entre les candidats finalistes est une tradition désormais française, qui a pris racine dans les mœurs politiques françaises en 1974. Depuis qu'il a été adopté sans pour autant être systématiquement accepté par les deux finalistes. C'est le 8e débat du genre qui s'est déroulé donc hier. Cette tradition a été copiée sur les Américains qu'il avait lancé en 1960 lors du fameux débat entre Kennedy et Nixon. C'est la deuxième fois que ces deux mêmes candidats se retrouvent au second tour, en 2017 et hier, où ils ont pu, pour la deuxième fois donc, faire ce débat de l'entre-deux tours. Hormis quelques accrochages, notamment sur le prêt contacté par Marine Le Pen auprès d'une banque russe proche du pouvoir russe, le débat a été plutôt plat, truffé de truismes et de lieux communs, un duel à fleurets mouchetés, une bataille d'édredons, ce qui a fait dire à certains observateurs qu'il ne manquait que l'accolade de fin. M. Macron a semblé plus sûr de lui et un tantinet suffisant. Il a abordé ces thèmes avec un sens aigu de la synthétisation et une réelle maîtrise des chiffres. Une attitude vigilante, une sorte de chasseur embusqué, prompt à débusquer et à pointer les incohérences et les insuffisances de sa rivale. Madame Le Pen, quant à elle, a donné l'impression d'être un peu perdue, tout particulièrement quand elle sortait de sa seule zone de confort, son habituel fond de commerce, mais nouvel aspect de son personnage visible et qu'elle peaufine depuis quelque temps déjà, et qu'elle semble avoir mis de l'eau dans son vin, elle semble un peu peaufiner le personnage, comme si elle découvrait que les franco-musulmans aussi étaient des électeurs et qu'ils pourraient très bien faire tomber la balance. Elle ne rate désormais plus une seule occasion pour dire qu'elle fait la différence entre les islamistes et les musulmans, qui sont, rappelle-t-elle, les musulmans, des Français à part entière. Elle aura réussi à se donner de la rondeur politique, voire même sembler plus bienveillante, plus humaine. Sinon, le plus intéressant de l'échange s'est surtout centré sur les thèmes de l'extrême droite. Et M. Macron semble avoir lui aussi investi dans ce créneau à son corps défendant, bien sûr, un peu comme s'il n'avait pas le choix que de s'y engouffrer lui aussi depuis un tout autre angle, bien sûr. Mais il n'en demeure pas moins que ces thématiques discriminantes sont désormais banalisées. À plus forte raison que M. Zemmour les avait tellement vulgarisées, tellement exacerbées, que Mme Le Pen fait désormais figure, à côté de lui, de politicienne très modérée. Et en cela, elle aura de toute façon remporté dans cette élection une avancée subliminale notable qui aura contribué à changer l'idée qu'on se faisait d'elle. Le sentiment général est qu'hormis quelques pointes par-ci par-là, ce débat n'aura certainement pas vraiment fait pencher la balance et encore moins décider les hésitants.
Une émission sur les élections françaises qui va donc se décliner en deux parties. La première partie maintenant, nous allons recevoir certains de nos habituels invités pour nous dire leurs sentiments général sur le débat d'hier, le duel entre Macron et Le Pen. Et puis dans la deuxième partie, nous recevrons deux invités qui essaieront d'aller un peu dans le détail de certains points en particulier. Et nous allons commencer avec Brahim Younsi. Merci d'être avec nous. Brahim Younsi, analyste politique, membre du MDA de 82 à 88. Merci d'être avec nous, Brahim Younsi. Merci de m'inviter pour à l'occasion de ce débat. Mon sentiment est que c'est vrai que Marine Le Pen a un peu progressé, mais elle est restée en deçà parce qu'elle avait peur. Visiblement, elle avait peur et le poids de ce qui s'est passé en 2017 pèse encore ou pesait encore sur elle. Elle y pensait. Sur le plateau. Elle n'arrivait pas, en tout cas, malgré les efforts qu'elle a fait, d'incarner la fonction. On ne la voyait pas comme présidente de la République française. En plus, elle est restée beaucoup en retrait. D'ailleurs, c'est ce que le monde d'aujourd'hui fait remarquer. Et c'est vrai qu'elle est restée beaucoup en retrait par rapport à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui arrive avec un bilan, alors qu'elle n'a pas véritablement attaqué le bilan d'Emmanuel Macron, qui s'est défendu avec brio, il faut le dire. Et on a vu, c'est vrai, une grande différence intellectuelle entre les deux. Un chef d'État, Macron qui maîtrisait ses dossiers, qui maîtrisait le langage politique, qui maîtrisait les questions internationales et évidemment les questions économiques. Marine Le Pen, même si elle a été meilleure qu'il y a 5 ans, elle ne s'est pas transcendée. On n'a pas vu de transcendance chez Marine Le Pen, et puis elle n'a pas su sortir de son alliance qui dure avec la Russie. Cela l'a un peu effectivement beaucoup gênée. Elle n'arrivait pas à sortir de cette pesanteur que représentait pour elle la Russie. D'autre part, si elle a dit une vérité sur l'Algérie, sur la question de la dépendance économique de la France vis-à-vis de l'Algérie, le contraire est aussi valable. L'Algérie n'est pas dépendante économiquement de la France. Elle dit pas même le gaz, c'est vrai que la France n'est pas dépendante du gaz algérien parce que l'Algérie ne fournit à la France qu'entre 8 et 10% du gaz que la France importe. C'est l'essentiel du gaz ou la quantité la plus importante du gaz français provient de Norvège. Cela est vrai. Mais néanmoins, bien entendu, elle a essayé de raccommoder un peu les choses par rapport à l'Algérie en disant que les relations entre les Algériens, on n'a pas parlé du pouvoir d'Alger, mais avec les Algériens, étaient moins rationnelles que sentimentales, qu'il y a un lien sentimental entre les Algériens et les Français. Mais ce qui est vrai de personne à personne. Mais de notre côté, bien sûr qu'il y a certainement des sentiments à l'égard de beaucoup de Français, mais il reste aussi un bilan lourd pour ce qui est de l'Algérie, de la guerre d'Algérie, qui ne passe pas. Et ensuite,
sur la question du voile, je vous ai entendu dire qu'elle s'est un peu arrondie, etc., là, arrondi les angles, etc. Ouais. C'est vrai qu'elle elle arrive un peu à arrondir les angles, à gommer les aspérités qui étaient les siennes, mais elle a laissé son entourage, ses lieutenants, l'actuel président, président par intérim du Front National, n'arrête pas de brocarder. Merci Brahim Younsi, pardonnez-moi de vous interrompre. Merci beaucoup Brahim Younsi, je vous interromps parce qu'il y a beaucoup de nos amis qui sont en train d'attendre de pouvoir intervenir. Je vous remercie. Avec nous, Hussein Jidel. Hussein, merci d'être avec nous. Et je suis tenté de vous poser une question en particulier. Vous n'avez pas l'impression que M. Zemmour aura en tout cas réussi quelque chose à banaliser les théories de l'extrême droite, de la discrimination, de la ségrégation à l'endroit d'autres Français qui sont d'origine maghrébine ou africaine ou musulmane. Et au point où Marine Le Pen aujourd'hui semble avoir figure humaine à côté de lui. Jamaldine, merci pour l'invitation. Merci. Je pense que cela est un petit peu vrai dans la mesure où l'islamophobie, la xénophobie, le rejet de l'autre qui est différent culturellement et religieusement de la présente partie des Français était un discours de tous les politiques français, y compris Macron. Macron qui a installé ce débat dans le paysage politique, et nous avons vu les déclarations de d'autres des composants des Républicains, tous les partis, à l'exception de Jean-Luc Mélenchon et l'extrême-gauche, qui ont rejeté en bloc, qui ont mis en garde contre ce discours, et nous avons vu que Macron a mobilisé le Sénat, les députés, pour donner à cette idée une forme juridique, une loi qu'on appelle les lois contre le séparatisme islamiste. Donc, Zemmour, qui a enrichi le paysage politique en prenant avec passion et avec clarté et avec courage ce que Marine Le Pen a essayé depuis qu'elle a changé de discours vis-à-vis de son père. Oui, Éric Zemmour, il a réussi ce coup. Mais pourquoi Éric Zemmour n'a pas réussi alors que Jean-Marie Le Pen... Bonjour à tous. ...et de l'organisation politique. Et beaucoup, ils ont vu que entre Éric Zemmour et Marine Le Pen, il vaut mieux prendre l'original que la photocopie. Mais moi, je me penche, moi, j'aimerais bien évoquer une autre question qui est très importante. C'est que demain, l'abstention, je dis demain, ça veut dire dimanche, l'abstention sera pour moi très importante parce que les déçus, beaucoup de déçus des résultats du premier tour, notamment ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon et d'autres partis, ne seront pas présents aux urnes. Donc, je crains l'abstention. Ou le vote blanc, et cela va nous donne une indication très importante sur l'échec du système politique français. C'est-à-dire, nous avons un président qui va réussir par défaut, et nous avons une gauche divisée qui n'arrive pas, alors qu'elle a beaucoup de chances de réussir parce qu'elle pose les véritables questions de distribution de richesses, les dangers que représente le libéralisme, notamment le libéralisme face à Macron banquier, et alors que dans le monde entier, nous avons vu la crise de 2008, la crise financière de 2008, ce que a révélé le Covid depuis des années, c'est que le libéralisme sauvage qui dirige le monde est un système dangereux pour toutes les sociétés, mais la gauche n'a pas réussi à passer au deuxième tour. Donc, je pense qu'il y a encore un libéralisme que représente, sauvage que représente M. Macron. M. Macron aussi représente l'échec
de la France à l'étranger, notamment au Maghreb et au Caucase, nous avons vu que l'implication négative et dangereuse de la France dans le dossier libyen et dans le dossier tunisien et le dossier algérien, l'échec de la France au Sahel, l'échec des services de renseignement français aussi au Caucase, que ce soit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ou actuel ou dernièrement avec l'affaire de l'Ukraine. Donc il y a un échec que de M. Macron sur le plan international, mais moi, pour moi, le plus important, c'est qu'il y a demain, dimanche, il y aura un président par défaut qui représente encore ce libéralisme sauvage. N'oublions pas que ce président qui a donné plus d'argent aux richissimes français, c'est même pas les riches, les richissimes français, il a piqué l'argent aux étudiants, il a piqué l'argent aux chômeurs, il a réduit, il a créé beaucoup de problèmes au niveau du service de santé, etc. Il est encore là. Il a maintenant, il a essayé de remodeler son discours. Il parlait de certains interventionnismes de l'État, mais ça, ce n'est pas son choix. C'est l'échec de l'illibéralisme. C'est la pression du Covid qui a dévoilé les insuffisances et les dangers que représente la domination financière et la mauvaise distribution de la richesse, la concentration merci. De la richesse. Donc, voilà. Merci, merci Hussein, au plaisir de vous retrouver. Avec nous, Khalaf Saïdi, militant politique, merci d'être avec nous, Khalaf Saïdi. Sahit Jamaldine, bonsoir à tous les bonsoir. Invités, merci. Bonsoir à tous les amis et à tous ceux qui travaillent sur cette chaîne Al-Maghribia. Merci. Donc moi je dirais, après ce débat que j'ai suivi, que j'ai regardé de par tous ces angles, moi je dirais que dommage qu'après ce débat, le déclic de la politique française, encore une fois, est renvoyé. Il est renvoyé à 2027. Et je pense aussi que c'est la haine et le mépris qui vont se réinstaller encore 5 ans, pendant 5 ans, avec une présidence que j'avais qualifiée dès le premier tour que ce sera une présidence par défaut. Pourquoi ? Parce que le peuple français, la majorité du peuple français a rejeté et rejette Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Maintenant, concernant le débat que j'ai suivi et comment je le voyais, je vais dire quelque chose sur la forme et sur le fond aussi. Et je m'explique aussi, et je dis très bien, que les gens ne doivent pas confondre, parce qu'on a l'habitude, on confond toujours, entre faire une analyse politique et donner et faire une proposition, ou bien prendre position politique. Pour moi, il ne s'agit pas de prendre position, il s'agit tout simplement de dire ce que je pense, j'analyse. Sur le plan de la forme, moi je pense que Marine Le Pen était la meilleure sur la forme. Elle était bienveillante, elle n'était pas agressive, elle était bienveillante, elle était respectueuse de l'autre. Mais Emmanuel Macron, il était il est dans son costume de l'aberrance, je ne sais pas comment le qualifier exactement, mais du non-respect de la personne qui est face à lui. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, je suis dans ce métier-là de la formation professionnelle, nous travaillons beaucoup sur les postures. Quand il s'agit des entretiens, on les prépare, les jeux de rôle, comment je réussis mon entretien avec un directeur ou un responsable d'une entreprise, comment je vais mettre en valeur
mes idées, mon profil et mes bagages et tout ce qui s'ensuit. Donc, pour moi, Emmanuel Macron, il n'y a qu'à regarder sa posture, comment il regardait et il fixait. Il n'arrêtait pas de la fixer dans les yeux et il n'arrêtait pas de tenir ses joues. Et donc, pour moi, c'était une forme d'agressivité qui cachait une peur. Parce que, je vous le dis, il avait peur que Marine Le Pen l'attaque sur le pouvoir d'achat, sur son quinquennat raté, sur ses 5 ans de gestion ratée. Et donc, il s'est comporté de telle façon. Et d'ailleurs, j'ai remarqué dans les yeux de Marine Le Pen une sorte d'étonnement. Elle s'était étonnée de voir d'être devant une posture et à tel point elle a tout le temps essayé d'éviter de le regarder en face et de se retourner vers les journalistes. Donc, rapidement, sur le fond, je pense que Emmanuel Macron a été très offensif et que Marine Le Pen a raté son débat sur le fond, sur le pouvoir d'achat, sur l'affaire des organismes que Macron a fait travailler, a fait enrichir durant la période de Covid. Donc, pour moi, je dirais que pour ma part, on se dirige vers un président par défaut, vers une présidence par défaut. Et je dirais aussi que Mabrouk, pour le pouvoir algérien, que leur ami sera peut-être réélu dimanche prochain. Et je me pose la question, de l'autre côté, chez le pouvoir algérien, est-ce que l'ami de la France sera réélu en 2024 ou pas? Merci. Merci. Maana Zineb Tamen, j'aimerais que nos invités se contentent de 3 minutes à peu près, parce qu'il y a beaucoup de nos amis qui attendent de pouvoir intervenir. Zineb Tamen, merci d'être avec nous. Oui, bonsoir Jamel. Bonsoir. Je vous salue ainsi qu'à tous les téléspectateurs et les invités. Merci. Alors, quelle est votre question? Le débat, sur le duel Macron-Le Pen qui a eu lieu hier, quel est votre sentiment général? Comment évaluez-vous cette rencontre? Ben écoutez, moi, j'attendais rien de cette rencontre, comme vous la qualifiez. Je n'attendais strictement rien, dans la mesure où je savais que je suis sur la peste et le choléra, je vous le dis comme je le pense. Et maintenant, faire un plan. Si vous voulez que je vous parle de la France, j'ai trouvé que Madame Le Pen était en retrait. Il y avait un certain effacement qu'il faudra décrypter et analyser. C'est pas l'objet, en tout cas, de mon intervention. Je vais trouver également pour la défensive, quant à Macron, bien évidemment, l'avantage de l'expérience et des années, mais je l'ai trouvé aussi assez condescendant. Il ne cessait de l'interrompre d'ailleurs, peu importe, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Marine Le Pen, nous, ce n'est pas mon cas, en tout cas, je ne l'aime pas et beaucoup d'entre nous ne l'aiment pas. Il s'est comporté à son égard, notre détail quelque part. Je n'ai pas du tout aimé sa posture, et même lui, dans sa manière de se tenir, il ne me renvoyait pas. L'usage d'homme d'État, voilà. De toute façon, pour une fois, je n'attendais rien de cette rencontre. Maintenant, l'essentiel, le fond. Le fond, nous sommes nombreux et nombreuses à ne pas savoir quoi faire dimanche, en tout cas, c'est mon cas. S'abstenir, voter blanc, le mot, ça ne compte pas. J'ai du mal. J'ai beaucoup de mal et, encore une fois, c'est légitime. Le chiffon rouge de Mme Le Pen, ça reconnaît à chaque fois. Il faut aller des choses et peut-être qu'il y a une autre lutte
qu'il faut mener. Les prochaines législatives, je crois que on l'a annoncé. Et moi, je suis conséquente avec moi-même. Je vous en dirai plus, quand même, pour n'avoir pas été trop long. Merci, Zineb Tamen. Avec nous, mon ami et confrère, Hassan Oufar. Hassan, merci d'être avec nous. Marhaba bik. Merci, Royal Jamal. Merci de m'avoir invité. Merci. En fait, Jamal, si je peux me permettre une digression avant d'intervenir. En fait, je voulais dire que tout en observant la scène politique française durant cette période charnière, en fait, mes pensées sont allées quand même vers mon pays, l'Algérie. Ce que je voulais dire, en fait, c'est que j'aurais aimé voir s'instaurer ces mêmes mœurs politiques chez nous, où le débat contradictoire serait possible entre les Algériens. Voilà. Et parce que, quoi que l'on dise, et Marine Le Pen et Emmanuel Macron se sont élevés au-delà de leurs convictions. Chacun défendait ses idées, son projet, mais le tout dans un climat de respect de l'un envers l'autre, dans un respect mutuel. Ils aiment leur pays, ils s'adressent à leur peuple, qui serait de toute manière le seul décideur, le seul arbitre. Il n'y aura aucun général, aucun caporal, aucun maréchal qui va interférer. Une fois que nous avons dit cela, j'ai quand même une réflexion par rapport à ça, c'est que je pense que la France arrive à un stade politiquement et sociétalement compliqué. Ce n'est un secret pour personne, c'est très complexe, voire même dangereux. Il y a des craintes qui sont légitimes, qui sont là. Les clivages se creusent entre dans la société d'abord, dans laquelle s'est installée une forme de ras-le-bol, de marasme. Alors, ce qu'on souhaite, personnellement, c'est que cette colère qui était retenue jusque-là grâce au pragmatisme d'hommes et de femmes politiques françaises, dont Macron, moi je veux dire, que cette colère donc reste, soit exprimée que dans les urnes, de manière civique, citoyenne et républicaine, et qu'elle ne déborde pas dans la rue, dans la cité, parce que le risque est là quand même, hein, et ça, personne ne pourra imaginer la suite, ce qu'on ne souhaite pas. Vous savez, des mots extrêmement forts, qui étaient tabous, hein, sont expressément aujourd'hui déclamés, récités, parfois avec véhémence. On parle quand même de guerre civile, ce qui était encore inimaginable il y a quelques années. C'est un risque réel, puisqu'il s'agit quand même d'une idéologie, d'un parti et d'idées surtout, et pas des moindres, qui peuvent demain régner à l'Élysée comme ça s'était déjà en Europe, dans certains pays. On peut citer la Hongrie ou autre chose, où des extrémismes sont en train d'arriver au pouvoir. Ce qui serait par contre déplorable, si jamais, ce serait que les Français persistent à s'abstenir de voter. Je pense que les abstentionnistes ou les boycotteurs, comme on les appelle chez nous, qui sont souvent ce qu'on appellera, qu'on appelle la majorité silencieuse, porteront une entière responsabilité quant à l'issue de ce vote, dans le cas où il sera fâcheux. Parce que l'abstention est un luxe qu'on ne peut s'offrir dans les moments similaires. J'ai pas de leçon à donner en France, bien entendu. Mais que ce soit d'ailleurs en France ou ailleurs... Hassan, oui. pourquoi est-ce que... La communauté, si tant est qu'on peut l'appeler ainsi, ce n'est pas une communauté au sens péjoratif, au sens étriqué du terme. Ça veut dire qu'ayant à peu près une même appartenance religieuse, identitaire, culturelle, nationale, pourquoi cette communauté maghrébine, musulmane, se distingue-t-elle autant par son abstentionnisme, alors qu'elle pourrait, à travers sa mobilisation électorale, peser sur la vie politique française et avoir ainsi un droit de cité véritable où on tiendrait plus compte d'elle et où on la stigmatiserait moins, surtout. Eh bien, c'est pour ça que j'ai parlé, si jamais, mon frère, de l'abstention. Quand j'ai dit que l'abstention est un luxe qu'on ne peut s'offrir dans des moments comme ceux-là. C'est ça que je voulais dire. D'ailleurs, on a eu des expériences dans le passé où justement ce qu'on appelle la majorité silencieuse, du fait de son silence, on n'a pas pu décider, puis on a eu après des situations rocambolesques ou surtout tragiques. C'est ça que je voulais dire. Donc en effet, moi j'appelle en effet, même si peut-être ce n'est pas ici que je devrais le dire, eh ben cette communauté à laquelle vous faites référence devrait aujourd'hui s'exprimer parce que les enjeux sont très 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 importants. Voilà. Merci Hassan. Au plaisir de prendre un café ensemble, Inch'Allah.
Avec grand plaisir, si jamais, ce sera quand vous voulez. Merci beaucoup. Merci Hassan, barakallahu fik. Alors, avec nous, Tilelli, étudiante en France. Tilelli, quel joli prénom. Tilelli, en tamazir, veut dire liberté. Tilelli, merci d'être avec nous. Merci, merci pour l'invitation. Azul Felaouen, bonjour tout le monde. Salam alaikum. Je souhaite d'abord à tous, à toute la communauté, à toute la communauté musulmane, à toute la, la diaspora algérienne et toute la, à tous les Algériens, un très bon ramadan. Et sahab koukoum à l'avance. Merci beaucoup. Alors, Tilelli, votre sentiment sur ce duel qui a eu lieu hier entre M. Macron et Mme Le Pen et les thématiques qui ont été engagées, à peu près en 3 minutes, hein, s'il vous plaît. Pas de souci. Bon, il y a différentes thématiques qui ont été abordées et certains, enfin, et, on voyait certaines qui étaient prédominantes et ce qui était inquiétant, c'était plutôt vers le discours de la fin, surtout de Marine. De Marine Le Pen et surtout l'évocation qui était quand même assez alarmante de Emmanuel Macron sur une éventuelle guerre civile dans le cas où Marine Le Pen mettait en place certaines lois qu'elle avait décidées, notamment sur le port du voile dans les espaces publics. Globalement, il faut remarquer que le discours de Emmanuel Macron est plus réaliste parce qu'il connaît mieux la situation de la France que Marine Le Pen. Marine Le Pen, en fait, elle a un discours qui est beaucoup plus basé sur l'émotion, sur des mises en situation, notamment que je parle autant que jeune, et donc qui vise une jeunesse affaiblie et appauvrie par les 2 ans de Covid. Elle affirme que la jeunesse française a réellement souffert pendant ces 2 ans, mais concrètement, elle ne présente pas de mesures concrètes pour aider cette jeunesse, pour la faire évoluer, elle ne présente pas de réel plan d'action. Donc elle se présente comme étant une candidate du peuple qui lui donne une priorité nationale, parce que priorité nationale, je trouve quand même que ce mot est quand même assez alarmant, c'est-à-dire qu'en fait, elle veut donner une certaine priorité aux Français, et en fait, on n'en est plus au mérite de notre travail, de notre action, de ce qu'on peut faire en tant que citoyen ou même en tant qu'étranger, on ne priorise plus ce genre d'action, mais on est plus dans le nationalisme, d'une priorité nationale pour les Français qui concerne la question du logement, de l'emploi et de l'accès aux aides sociales. Ce discours a été une portée dans la société actuelle maintenant auprès de certains jeunes Français qui sont en situation de précarité, qui pensent que ce sont les étrangers, les diasporas étrangères, dont notamment la diaspora algérienne qui est responsable de leur situation, de leur chômage. Ce discours a toujours été malheureusement l'étendard des xénophobes dans les temps de crise, ce qu'on traverse actuellement. Et ça a été, on avait déjà une crise avant le Covid, et le Covid a encore davantage fragilisé cette crise. Et actuellement, on a un contexte géopolitique qui est la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui vient davantage fragiliser tout ce climat actuel. Et on peut remarquer aussi dans le discours qu'Emmanuel Macron a une vision plus réaliste et son programme, il vise son programme sur les jeunes, sur l'accès et l'insertion par la formation à l'emploi. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le candidat qui veut augmenter les frais de scolarité pour les jeunes étrangers, ce que je trouve complètement injuste, parce que je trouve qu'on a tous le droit à l'éducation, que ce soit autant que français, autant que étranger, à partir du moment où on a un mérite, à partir du moment où on travaille. Et c'est ça que la France prône normalement, qu'il doit prôner, que toute République doit prôner, c'est le mérite de chaque personne, de chaque être humain, qu'il soit français ou non français. Et donc, du coup, même le discours d'Emmanuel Macron n'est pas aussi rassurant qu'il devrait l'être. Donc, un candidat qui veut augmenter les frais de scolarité étrangers, et c'est aussi le président qui veut rendre les études supérieures payantes, c'est-à-dire qu'en fait, il veut établir un certain élitisme dans l'accès aux études supérieures, que ce soit aux Français ou aux non-Français. Et on voit clairement dans le programme qui prône, par exemple, on a ce qu'on appelle les lycées professionnels, il veut les rendre... Il veut les rendre comme étant une voie plus facile, une voie plus il veut redorer en fait les lycées professionnels, les lycées professionnels pour éviter que certaines personnes fassent des études supérieures. Donc, Marine Le Pen se présente comme étant la candidate du pouvoir d'achat, mais elle n'est en réalité que la candidate de l'islamophobie, de la xénophobie et du racisme. Elle porte en elle le syndrome colonisateur. Elle veut imposer sa vision de la femme en interdisant le voile dans l'espace public. Elle veut légiférer une loi qui sera la première de son genre dans un monde qui promeut de plus en plus la liberté de culte, la liberté de croyance.
La fin, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la fin du débat nous permet de voir qui est réellement Marine Le Pen. Elle établit un cheminement en partant d'une question sur le voile. Elle passe au terrorisme, elle revient à l'islamisme et finit sa démonstration en évoquant les étrangers. Merci. Donc, ces quatre thèmes ne sont en réalité qu'un seul. Merci Telili, merci, au plaisir de vous retrouver dans d'autres émissions, j'espère. Alors, d'abord, quelques points, quelques petits extraits sur ce duel. Et puis, j'aurai le plaisir de recevoir mon jeune ami et confrère Chaban Qassi. Quelques extraits. Laïcité, puisque le temps presse. Mais beaucoup plus discipliné qu'il y a 5 ans, Madame Le Pen. Oui, c'est vrai. Écoutez, on voit qu'on vieillit. Je crois que c'est factuel, je serai très respectueux à votre égard. Vous, ça ne se voit pas, moi j'ai peur que ça se voit beaucoup, madame. Vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. C'est ça le problème, madame Le Pen. Ce qui fait qu'on le voit bien, dès qu'il y a des positions courageuses et difficiles à prendre, ni vous ni vos représentants ne sont là. Monsieur Macron, c'est malhonnête de m'empêcher d'obtenir un prêt dans une banque française et de me reprocher après de partir à l'étranger pour en chercher un. Vous rigolez ou quoi? En 2015, je vous ai empêché de trouver un prêt dans une banque française. Vous étiez bien ministre de l'économie à l'époque. J'étais pas ministre des Finances. L'économie, il n'y a pas les banques. Monsieur Macron, mais je rappelle que vous êtes le président qui a créé 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires en 5 ans, dont 2/3 qui n'ont rien à voir avec le Covid. Mais c'est totalement faux, Madame Le Pen. 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires, Madame Le Pen, avec, quoi, dont 2/3 n'ont strictement rien à voir. Ce sont les chiffres d'ailleurs de vos propres ministères qui évoquent 145 milliards pour le Covid. Tout le reste, c'est de l'aggravation de la dette. Parce que c'est la sécurité sociale et les collectivités locales, Madame Le Pen. Non mais d'accord. Mais arrêtez de tout confondre, c'est pas possible. Monsieur, votre projet, quand on remet brique à brique les choses en place, c'est un projet qui ne dit pas son nom, mais qui consiste à faire sortir de l'Europe. Il y a un nom, il s'appelle l'Europe des Nations. Oui, mais enfin, si c'est plus l'Union Européenne, vous sortez de l'Union Européenne, Mme Le Pen. Ah, non, mais pardon de vous le dire. On peut décider de ripolliner tout seul la façade, mais enfin, c'est une copropriété. Donc à un moment donné, dans une copropriété, vous ne pouvez pas dire du jour au lendemain, ça ne s'appelle plus la copropriété, ça s'appelle comme j'ai décidé, parce que je m'appelle Madame Le Pen. Vous mentez sur la marchandise. Non, je ne mens pas sur la marchandise. Tout le monde sait que je défends l'Europe des Nations, tout le monde sait qu'est-ce que je ne veux pas dans cette Union Européenne et qu'est-ce que je veux changer. Et je le ferai avec des alliés. Là, on est sur une controverse claire. J'ai lu votre projet, il est très transparent. Vous êtes climato-sceptique. Donc, c'est net. Oui, vous avez dit d'ailleurs qu'avec vous, la neutralité carbone 2050, c'est-à-dire les jalons des accords de Paris, ça ne marche pas. Moi, j'ai été frappé une fois encore par le rapport du GIEC. Et j'ai à la fois un bilan, mais je veux aller beaucoup plus vite. Je suis absolument pas climato-sceptique, en aucun cas. Mais vous êtes un peu climato-hypocrite. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que les gens ne croient pas à votre volonté de régler tous ces problèmes-là. Je suis pour l'interdiction du voile dans l'espace public. Je l'ai dit de la manière la plus claire. Je pense que le voile est un uniforme imposé par les islamistes. Je pense que une grande partie des jeunes femmes qui le mettent ne peuvent pas faire autrement en réalité, même si elles n'osent pas le dire. Donc il faut libérer l'ensemble de ces femmes, il faut faire reculer les islamistes, et pour cela, je le crois, il faut interdire le voile dans l'espace public. Dans les services publics, il y a une neutralité des services publics, elle est absolue. Par contre, dans la cité, vous allez créer la guerre civile si vous faites ça. Je vous le dis en toute sincérité. Parce que ça veut dire que vous vous attaquez... C'est très grave ce que vous dites là, monsieur. C'est très grave parce que ce que vous proposez... C'est très grave parce que ce que vous dites, c'est qu'en réalité, les gens n'accepteraient pas de se soumettre à la loi. Ce que vous dites est très grave. La réforme que vous proposez est une réforme qui consiste à payer les professeurs en fonction des résultats de leurs élèves. Je ne sais pas, c'est McKinsey qui a proposé ça. Ça y est, je l'attendais, celle-là. Mais en l'espèce... Vous avez mis du temps, Madame Le Pen. Non, mais vous voyez, là, je pense que ça peut être là, franchement, pour le coup. Chaban Qassi, merci d'être avec nous, Chaban. Jamaldine, bonjour, bonsoir. Bonjour, Chaban, bonjour. Alors, Chaban. Peut-être un retour sur ce débat d'hier soir, je pense. Oui, sur cet échange entre Madame Le Pen et Monsieur Macron. Quel est votre avis sur la question, votre sentiment, comment ça s'est passé? Est-ce que ça a apporté? Est-ce que ça a fait pencher la balance? Alors d'abord, effectivement, il y a des millions de téléspectateurs qui ont regardé, mais j'ai envie de vous dire, c'est plus dans le ce que les gens aiment, c'est plus dans le voyeurisme, parce qu'effectivement, on connaît tout de même, et on l'a vu hier soir, et
de diffuser quelques extraits sur les deux candidats. On a vu que Marine Le Pen, bon, elle était très claire sur l'immigration, sur le voile, ça ne change pas. Donc les gens attendaient ce rendez-vous pour effectivement avoir un peu de spectacle. Alors c'était un débat plus tard que 2017. Maintenant, sur la forme en ce qui concerne Emmanuel Macron, vous avez vu que lui, c'est pro, c'est en tout cas, il est vu comme pro-européen. Bon, ben, au niveau de la tenue, vous avez vu qu'il était en bleu, il s'est mis blanc, une sorte de fanion sur son costume rouge, aux couleurs de la France. Bon, il avait plus un comportement de conférencier, il était assez empathique, on l'a trouvé parfois un peu psychanalyste, donneur de leçons, et parfois il y a aussi une arrogance, comme on a pu le vivre à certains moments, à différents moments depuis 5 ans, c'est revenu. On a eu Marine Le Pen d'un point de vue de la forme, effectivement, qui a été déstabilisée au niveau de ses dossiers, mais qui à la fois restait plutôt sage, qui était moins nerveuse que la dernière fois. Elle a même dit d'ailleurs qu'en vieillissant, on est beaucoup plus sage, qui a voulu être sereine, mais bon, on a pu constater que les contenus tout de même, que le président candidat sortant était quand même beaucoup plus prêt sur certains, dossiers, même si parfois il s'est fait reprendre sur, notamment sur ses primes, qui n'étaient pas pérennes, bien entendu, Marine Le Pen, clairement, mais lorsqu'on va faire un peu les primes, les banquiers sont contre tout. Voilà, on a aussi vu un Emmanuel Macron qui est même assez distant, peut-être sur un comportement, peut-être limite un peu acquis, même s'il ne dit pas, il le dit pas comme ça en disant que tout est à faire. Mais on a vu tout de même, plus assuré, plus assurant sur les dossiers. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être vigilant, notamment pour ceux qui sont contre le Rassemblement national. Il faut savoir qu'en 2002, Jacques Chirac, face à Le Pen, ça a créé un engouement. Jacques Chirac est élu, je crois, à 87%. Il y a eu un vote de sanction nationale, ça nous amène. Mais depuis, on a vu tout de même une banalisation, une vulgarisation du Rassemblement national. On a vu Marine Le Pen cette semaine tenir la main à une femme voilée, en étant limite à l'écoute et compréhensive. Bon, même si hier, vous l'avez compris, c'est clair, plus de fois, il y a plus d'un. Enfin, voilà, donc, c'est terminé. On voit tout de même que, voilà, il faut être vigilant, rien n'est fait. Les résultats, donc, dimanche soir, on suivra ça à nouveau et à nouveau. Merci beaucoup, Chaben. Alors, je demanderai à mes autres invités réellement de ne pas dépasser les 3 minutes. Il y a beaucoup d'autres de nos amis qui attendent. Lies Jbeili, merci d'être avec nous, et moins de 3 minutes, s'il vous plaît. Lies. Merci, Jamaldine. Merci. Donc, j'ai suivi le débat hier soir entre le président sortant Macron et la candidate du Rassemblement national, Le Pen, Marine Le Pen. Bon, il y avait deux projets de société diamétralement opposés. D'un côté, un président un peu condensé dans... Il a autant, peut-être, une apparence hautaine, arrogant, mais qui avait... qui a déroulé son programme de façon rationnelle, pragmatique, avec sur un ton professoral, malgré qu'on lui loue ses tropismes mondialistes, son modèle de société, surtout sur le plan économique, il était vachement supérieur à une Marine Le Pen, qui pour moi, qui représente l'extrême droite, malgré qu'on est en train de banaliser l'extrême droite, hein, il n'en demeure pas moins. Elle m'a fait peur, surtout sur un point très très important quand même, qui souhaiterait interdire le voile dans la cité. C'est-à-dire, il lui a dit, attendez, mais la laïcité dans le domaine public, à l'école, pas de signe ostentatoire, la kippa, le voile, mais dans la cité, chacun est libre. C'est que cette Marine Le Pen devrait comprendre que la laïcité, ce n'est pas dépouiller les gens de leur religion, hein, c'est la laïcité, c'est pas imposer aux autres, c'est ça. Donc, on voyait deux projets de société différents. Macron, il a marqué les points. Hein. Je pense, il est sur le. Enfin, je pense, il va être réélu
facilement ou pas? Est-ce que les indécis vont rejoindre Macron ou pas? Est-ce qu'il va fédérer derrière lui les abstentionnistes ou l'électorat de Mélenchon? Il n'en demeure pas moins. Hier, on a vu un débat de pas vraiment comme celui de Mitterrand Chirac ou Sarkozy Ségolène Royal, mais c'était un débat qui était sans saveur, moi je dirais. Peut-être Marine Le Pen, elle a fait un effort par rapport à 2017, elle a évité l'agressivité, elle a changé son ton, mais elle était complètement passive. Moi j'avais l'impression qu'elle était un peu tétanisée face à Macron, c'est-à-dire il faut avouer, il était ultra technique, hein, il avait des détails techniques sur certains points, comme l'économie, le pouvoir d'achat, les retraites. Sur le plan de la retraite, elle disait 60 ans. Mais 60 ans, Madame Le Pen, comment vous allez financer aussi, hein, c'est très très important. Maintenant, quelqu'un qui sort 22 ans, 23 ans de l'école, et comment il va assurer ses 43 ans d'annuité pour assurer une retraite complète? Moi, j'ai vu un président très européaniste, enfin très européen. Voilà. Donc, c'était un débat qui m'a laissé quand même qui a donné une autre tonalité. Merci. On voyait une Marine Le Pen aussi. Soi-disant qui maîtrisait ces sujets, ces dossiers, mais en face, elle ne faisait pas le poids. Merci Ilyas Jbeili, au plaisir de vous revoir avec nous. Karim Knight Ousliman, merci d'être avec nous. Karim, de préférence en moins de 3 minutes, si c'est possible. Karim, marhaba bik. Bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent. Merci. Mais écoutez, sur cette élection et ce débat traditionnellement connu des Français, je dirais que sur le plan technique, Macron est toujours au point et on peut dire qu'il a techniquement remporté ce débat. Mais ce qui m'a étonné, c'est que quand même... Marine Le Pen a réussi en fait, son incarnation en fait. Elle a incarné une opposition entre parenthèses crédible. Elle a pris la posture et donc c'est l'opération de dédiabolisation du Front National qui a réussi. Je pense que si au niveau rhétorique on aurait eu une Le Pen plus performante, on aurait même pu craindre le pire. Mais là, fort heureusement, on peut dire que Macron a réussi quand même à rester présidentiable. Et pour le coup, pour dimanche, je pense qu'il n'y a pas vraiment un grand risque. Parce qu'il est impossible de joindre votre correspondant. Oui, poursuivez Karim, on vous écoute, oui. C'est juste un petit incident. Et donc, je ne pense pas qu'il y a un fort risque que le FN, que le Front National passe. Mais quand même, la grande perte, c'est que toute la thématique du Front National maintenant est banalisée, notamment l'islamophobie. Donc c'est devenu monnaie courante. Voilà, bravo aux spin doctors. Et ils ont réussi leur coup. Pensons aussi aux autres quinquennats. Et d'ailleurs, c'est un message de mobilisation que j'adresse à la communauté musulmane, mais en particulier à la communauté algérienne. Et il est temps maintenant de se prendre en charge pour ne pas subir les vicissitudes de l'histoire. Voilà. Merci Karim, au plaisir de vous retrouver. Avec nous... qui est avec nous, je vous prie. Hein? Ce soir, parce que ça, pour notre pays, c'est une mauvaise nouvelle. Parce que vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de M. Poutine.
Parce que quelques mois après avoir dit cela, Madame Le Pen, vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe, la First Czech Russian Bank, proche du pouvoir, en septembre 2014. Puis vous avez ensuite reboutiqué ce prêt auprès d'autres acteurs. Tout ça est totalement transparent, connu, notifié, notarié, qui sont impliqués d'ailleurs ensuite dans la guerre en Syrie. Et donc, vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. C'est ça le problème, Madame Le Pen. Alors peut-être que Madame... Et c'est aussi ce qui fait que, on le voit bien, dès qu'il y a des positions courageuses et difficiles à prendre, ni vous ni vos représentants ne sont là. Ni vous ni vos représentants. Et ça n'est pas un hasard si, il y a 5 ans, la Russie était intervenue dans la campagne, ce qui a été prouvé pour me déstabiliser. Et si vous avez toujours été ambigu sur le sujet, parce que vous n'êtes pas dans une situation de puissance à puissance, que vous ne pouvez pas défendre correctement sur ce sujet les intérêts de la France, parce que vos intérêts sont liés à des gens proches du pouvoir russe. Marine Le Pen, Monsieur vous avez Macron. Évidemment le pouvoir de répondre à ce que Merci. Vient de dire Emmanuel Macron. Vous Merci. Dépendez du pouvoir russe, vous dépendez Merci. De Vladimir d'ailleurs, Poutine. D'ailleurs, Emmanuel Macron, parce que... il a accès à l'intégralité des informations des services français. C'est pertinemment que ce qu'il dit est faux. Il sait pertinemment que je suis une femme absolument et totalement libre et que je défends parce que je suis une patriote et que je l'ai démontré toute ma vie, la France et les Français, toujours, en toutes circonstances. Maintenant, ce que vous dites est faux plusieurs fois. D'abord, je vous ai retrouvé. Docteur Hussein Aït Mohand, médecin et activiste politique, merci d'être avec nous. Docteur Hussein Aït Mohand, merci d'être avec nous. Ce n'est pas Night, hein, c'est Night Aït Mohand. Merci de corriger. Merci, monsieur Diamant Bentinov. Merci à toute votre équipe. Et le plaisir est. Allô, allô? Allô, oui, on vous écoute. Non, c'était juste que pour vous dire que je suis avec vous et j'ai le plaisir de partager des moments avec vous. Merci, tout le plaisir est pour nous, docteur, et à l'occasion, Sahar Mdanek. Sahar Mdanek ou Sahar Shorvatakom. Allah y salmek. Alors, sur ce duel Macron-Le Pen en moins de 3 minutes... Écoutez, Sylvain Chenouf, moi je vais vous dire, je suis peut-être atypique, mais je ne sais pas pourquoi je vais vous dire ce que j'ai envie de vous dire. Moi je m'attendais à ce que, comment ça s'appelle, Macron écrase totalement Marine Le Pen, comme ou mieux, plus que la première fois. J'espérais aussi qu'il l'écrase parce que je ne l'aime pas trop, mais bon. Mais j'ai trouvé Macron un tout petit peu faiblard. Avec un visage déconfié un peu. Il avait peur, ou je ne sais pas ce qui se passe, et j'ai trouvé Marine Le Pen un peu offensive. Ce que je ne m'attendais pas, et ce qui m'a étonné encore le plus, c'est que ce matin, il y avait une unanimité de tous les médias pour dire l'offensive Macron a écrasé Marine Le Pen, et je ne sais pas pourquoi tout le monde est d'accord. Il n'y en a pas un qui a dit qu'elle a fait des progrès et qu'elle n'a pas été écrasée comme on l'attendait. Oui, oui. Et du coup, j'espère me tromper, je dis 3 fois, que Marine Le Pen ne fasse pas la surprise. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne sont pas du tout d'accord avec, surtout les gens qui viennent de parti de Mélenchon. Et il y a au moins un tiers des gens qui sont avec Mélenchon, qui ne veulent pas du tout de Macron. Il y a aussi les... Et vous pensez qu'ils vont s'abstenir ou plutôt voter Le Pen? Oui. Non, il y a une bonne partie, je crois, qui va aller chez Macron. Une autre bonne partie, c'est des chiffres qui sont variables, qui vont voter l'abstentionnisme, ils ne vont pas voter. Et d'autres qui vont pour Le Pen. Et j'ai peur, et puis les abstentionnistes de manière générale, qui attendent toujours la dernière minute pour se décider. Et je vous dis encore une fois, il y a peut-être des gens comme moi qui pensent que Marine Le Pen n'a pas été nulle comme il était attendu par la majorité des Français, dont moi. D'accord. Très bien, je vous remercie, docteur Aït Mohand. Oui, oui. Surprise.
La surprise peut faire l'effet d'une bombe, mais elle n'est pas impossible. Très bien. Mais pas impossible. Très bien. Vous êtes le premier, le seul de nos invités à l'avoir affirmé de façon aussi forte. Nous verrons bien. Nous ne sommes plus qu'à quelques jours, à trois jours. Vraiment, je le répète, c'est vraiment pas mon souhait. Oui, oui, j'imagine, je comprends, j'entends bien. La population qui n'a pas encore décidé jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, de voter pour l'un ou l'autre, me fait peur. Merci. Parce que Macron n'est pas un saint. Au revoir, merci. Merci, docteur Hussein Ait Mohand, au plaisir de vous retrouver dans d'autres émissions, Inch'Allah. Avec nous, mon ami Ali Aïd Joudi. Merci d'être avec nous, cher ami. Oui, bonsoir. Je rappelle que vous êtes le membre fondateur de Riposte International et son coordinateur. Je vous en prie. Oui, merci. Donc, je pense que c'est au sujet des élections françaises. Oui, oui, au sujet surtout du duel qui a eu lieu hier entre, enfin, duel à fleuret moucheté, hein, c'est entre Madame Macron et Monsieur Le Pen. Oui. Il faut dire la triste réalité. Macron n'est pas sorti gagnant dans ce face-à-face, dans cette bataille. Et le fait que déjà on commence à parler que Marine Le Pen a réussi à s'en sortir sans perdre de plumes, c'est déjà un exploit. Parce que si on sera au dernier face-à-face, ben elle s'est montrée ridicule. Mais cette fois-ci, il a rendu coup pour coup. Et Macron s'est montré un peu arrogant. Un peu, mais la façon dont il s'adresse. Alors, la société française est un peu sensible à l'arrogance des hommes vis-à-vis des femmes. C'est le problème que Sarkozy a eu face à Ségolène Royal, mais il a réussi à la piéger avec son éclat de malheureusement, le fait qu'elle n'a pas été mise KO par Macron est déjà un exploit, une victoire pour le Front National. C'est ce qui me pousse, justement, j'ai pas l'habitude de m'impliquer ni de donner de consignes de vote ici en France, mais cette fois-ci, la situation est gravement grave, parce que Marine Le Pen a réussi à se dédiaboliser, le Front National. C'est pour ça que j'interpelle notre communauté de l'Afrique du Nord, maghrébine, de se mobiliser. C'est pas par amour à Macron, mais par rejet à Marine Le Pen. Juste, je vais rappeler trois phrases de Marine Le Pen. Elle a dit, nous allons arrêter les visas. Et c'est une façon d'asphyxier l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. Et ensuite, nous allons arrêter, et si c'est interdit, le transfert d'argent par Western News. Vous imaginez le nombre d'aides. Il y a plus de 2 millions maghrébins en France qui ne pourront plus jamais envoyer un sou. Donc c'est une façon de les inviter à quitter le territoire. Et aussi, à chaque fois qu'un immigré perd son travail, eh ben, il perd le droit à sa carte de séjour. Donc c'est juste pour dire que faites attention, ceux qui ont le droit de voter doivent se mobiliser comme ils sont mobilisés pour voter Mélenchon au premier tour. Avec le fascisme, ça ne se passe qu'une seule fois. Et c'est fini. On n'a qu'à voir la Hongrie qui ne sort plus des griffes de l'extrême droite. Le danger, c'est que même des médias ont commencé à donner une belle image de Marine Le Pen, cette femme d'État qui a su résister devant un président sortant. Et les sondages, il y a un peu de manipulation. Les sondages d'un côté qui donnent Macron gagnant, mais les chaînes de télévision qui invitent des philosophes, des hommes de lettres, des intellectuels pour dire que
voyez, finalement, c'est pas un danger, l'extrême droite n'est pas un danger sur la France. Vous voyez comment il défend les intérêts de la France. Vous voyez comment il a su comment rendre coup pour coup à la France. Eh bien, moi, j'estime que c'est de la bénédiction. La France, c'est une forme, pour moi, depuis hier soir, une partie de médias, LCI, l'autre, celle qui vient après BFM, ils sont en train de faire la campagne directement pour Marine Le Pen. J'ai suivi les informations depuis hier soir jusqu'à cet instant. Une partie des médias ont basculé en faveur de Marine Le Pen. Le danger, c'est qu'elle a réussi en 12 ans à faire ce que son père n'a pas fait depuis 50 ans, c'est dédiaboliser l'extrême droite. Et c'est ça le danger sur notre communauté, sur la communauté algérienne, tunisienne, marocaine et africaine. Moi, je pense que les gens doivent aller voter. C'est pas par amour à Macron. Mais je pense que le danger est imminent. J'espère que ce que tu es en train d'imaginer ne va pas se reproduire sur le terrain de la réalité. Allez, Jody, merci beaucoup. Plaisir de vous retrouver dans d'autres émissions. Mes salutations à vos invités et aux téléspectateurs de Maghrebia. Merci beaucoup, Ali. Avec nous, Lila Tamansort, militante politique. Lila Tamansort, merci d'être avec nous. On l'a perdu. Alors, Rizqi Mamart, militant politique, est avec nous. Rizqi, merci d'être avec nous. Merci, Jamal, et bonsoir à votre auditeur. Merci beaucoup, Rizqi. Alors, votre sentiment sur le duel d'hier? Le duel d'hier, c'était entre un président qui a une certaine expérience, de 5 ans d'expérience, et quand même quelqu'un qui a été vraiment un bon économiste. On connaît bien que Macron, je pense qu'il est sorti de l'école nationale il a une formation dans ce domaine économique. En plus, il était déjà ministre au président Hollande. Donc il a accumulé une certaine expérience, et en face, une candidate de l'extrême droite, je ne sais pas comment je vais la qualifier. C'est une amateur de la politique. Elle ne maîtrise même pas ce sujet. Elle ne maîtrise même pas son programme. Donc, entre un professeur et son élève, en quelque sorte. Donc, on a assisté à un débat entre un professeur et son élève. Donc, il lui a donné un cours d'économie, puis un cours de politique étrangère. Voilà, donc c'est un petit peu ça. Donc, c'est ça le produit de l'extrême droite française, c'est-à-dire... une candidate tout juste moyenne. Pour être gentil avec elle. Donc c'est un petit peu ça. C'est-à-dire ça donne une image comment l'extrême droite a, c'est-à-dire l'élite de l'extrême droite, comment qu'elle est choisie. Ça veut dire si n'était pas la fille de Jean-Marie Le Pen, donc je ne suis pas sûr qu'elle sera, c'est-à-dire qu'elle sera présidente d'un parti politique. Donc c'est un petit peu ça ce que je veux dire. Donc les élections, après le débat, donc il y a un sondage qui a été fait par un institut de sondage sur BFM, je pense. Et les Français, ils ont vu dans Marine Le Pen une candidate inquiétante. Ça veut dire qu'ils n'ont pas confiance dans cette candidate. Donc, c'est ça la candidate de l'extrême droite. Maintenant, le projet de l'extrême droite, on le connaît bien. Donc, c'est pas la peine de le répéter. Même si hier, elle était un petit peu moins virulente vis-à-vis de l'immigration, notamment l'immigration nord-africaine. Donc, c'est par tactique, c'est beaucoup plus par tactique, par stratégie que par conviction. Ça veut dire, juste, elle a essayé d'avoir quelques voies de l'immigration, mais je pense que l'immigration nord-africaine, elle est quand même vaccinée par ce genre de discours. Donc, je pense que les Français, en général, n'ont pas le choix. C'est-à-dire, soit Macron, qui a quand même, il a fait 5 ans, mais c'est 5 ans aussi, il y a du haut et du bas. Donc,
même s'il a réalisé certaines choses, il a plus ou moins bien géré la période du Covid. Mais il a enrichi les riches et il a appauvri les pauvres. Merci, Rizqi. Merci, au plaisir de vous retrouver. Nous allons passer à la deuxième partie de cette émission où nous allons retrouver deux invités, François Desroches et Athmane Mazit. Et nous continuerons de parler de ces élections présidentielles. Donc le deuxième tour est pour le dimanche 24 et nous demanderons à nos invités de nous expliquer certains détails de ce duel, certains détails qui ont donc émergé à la faveur de ce qu'il est convenu d'appeler un duel. À tout de suite.